des académies de football, mais il y a Essos United Academy, une initiative de la jeunesse dynamique du quartier Essos au cœur magnanime. L'idée part normalement de l'association Essos United, qui est une association qui regroupe les jeunes de la communauté d'Essos, d'un peu partout aussi dans le monde, parce que il faut le dire, il y a pas mal de jeunes d'Essos qui constituent aujourd'hui la diaspora camerounaise. Donc, le projet, c'est un projet qui est à but non lucratif initialement. Et on avait un autre volet qui était de créer une académie de football. Donc, dans un premier temps, ça fait pratiquement un an, on a créé l'équipe senior qui évidemment était en Coupe du Cameroun cette année. Le lancement des activités du centre est prévu pour ce 19 juillet à Yaoundé. Les petits plans ont été mis dans les grands pour l'épanouissement de la jeunesse camerounaise avec un objectif spécifique. Là, la deuxième phase du projet, c'était la création de l'académie qui est prévue, dont le lancement est prévu la semaine prochaine, le 19 juillet. Donc, d'une manière générale, Essos United Football Club vient tout simplement d'Essos United Association qui a été créée par Alvi Foku et qui est le promoteur principal, je vais le dire. Donc aujourd'hui, on est là et on essaie de travailler un peu plus pour le lancement de l'académie. Avec un club division inférieure dont le parcours en Coupe du Cameroun a tracé la trajectoire de cette nouvelle aventure, Essos United Football Academy est réservée à la pépite du football camerounais. Tous les partenaires que nous avons dans le groupe Essos United sont des personnes qui ont côtoyé le milieu du football. Donc, à l'exemple d'Alvi Foku, qui a été un footballeur professionnel. Et on a les autres partenaires qui sont des personnes qui sont encore en activité dans le foot ou qui sont en train de prendre le chemin du coaching. Donc, ici, on ne parle pas des profanes, en fait. On parle des gens qui ont une certaine idée du football et qui ont une certaine vision, qui ont vécu aussi le football sur d'autres terres, à l'étranger, bien évidemment. Et qui essayent aujourd'hui d'implémenter ce qu'ils ont vécu, qui essayent d'implémenter ce qu'ils ont expérimenté sur d'autres terres et qui marche ailleurs. Rien ni personne ne pourra changer le destin de cette académie de football dont les ambitions sont au-delà du football, mais le bien-être de la jeunesse. On a par exemple essayé de mettre en place une panoplie de gadgets qui vont faire que automatiquement dès que vous voyez un enfant quelque part, vous savez que non, lui c'est Essos United, c'est pas toute structure qui n'a pas mis sur pied tous ces éléments qui permettent de se démarquer. Donc on veut vraiment que les enfants s'identifient de la tête aux pieds comme Essos United. Que le rêve se réalise désormais à Essos United Football Academy, temple de la formation et de l'encadrement des jeunes footballeurs. Essos United, tous unis.